éclat particulier à cet événement. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage solennel aux 284 soldats français du Bas-Rhin, morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc. La commémoration de cette journée sera marquée par l'inauguration du monument à la mémoire des 284 soldats du Bas-Rhin morts pour la France en Afrique du Nord de 1952 à 1962. Les allocutions du président d'honneur de l'association, M. le colonel Aziz Meliani, puis de M. Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg. L'appel des noms des 284 soldats du Bas-Rhin morts pour la France. Et pour terminer, le dépôt de plusieurs gerbes devant le monument par les hautes autorités civiles et militaires. Cette cérémonie commémorative sera placée sous la présidence de M. Christian Riguet, sous-préfet, représentant M. le ministre délégué aux anciens combattants et le préfet de la région. M. Roland Ries, sénateur-maire de la ville de Strasbourg. M. le colonel Aziz Meliani, président d'honneur de l'AMAN. M. Charles Quirin, président de l'AMAN, et sous l'autorité militaire du général-gouverneur militaire de Strasbourg, le général Otklok-Reiss, commandant la 2e brigade blindée et délégué militaire du Bas-Rhin. Cette cérémonie commémorative est honorée de la présence des parlementaires du Bas-Rhin, M. le député Philippe Bis et Mme la sénatrice Fabienne Keller. M. Pascal Mangin représentera le président du Conseil régional d'Alsace et M. Yves Le Tallec représentera le président du Conseil général du Bas-Rhin. Messieurs les maires du Bas-Rhin, dont la municipalité est ici à ma droite, qui ont fait un don généreux pour réaliser le monument. Messieurs les consuls d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Monsieur le colonel, représentant le commandant de la gendarmerie du Bas-Rhin. Monsieur le colonel, représentant le général, commandant le corps européen. Sur ma gauche, les familles des soldats du Bas-Rhin, morts pour la France. Les représentants des cultes, catholiques, israélites, musulmans et protestants. Le président de l'Union des associations d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin. Madame la déléguée générale du souvenir français et le président de la Fédération des rapatriés, anciens combattants en Alsace et en Allemagne. Madame la présidente des médaillés militaires et messieurs les présidents des associations patriotiques et d'anciens combattants du Bas-Rhin. Monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants du Bas-Rhin, les généreux particuliers donateurs qui ont participé à la réalisation du monument, des élèves de la classe de première et de seconde du lycée Marie Curie, accompagnés de monsieur le proviseur et de leur professeur d'histoire et de géographie, sans oublier les nombreux élus adjoints au maire de la ville de Strasbourg. L'accompagnement musical de la cérémonie sera assuré par la Nouba du 1er régiment de tirailleurs aux ordres du major Fleck. Le piquet d'honneur est mis en place par le 16e régiment de chasseurs. Nous remercions en particulier les familles des 284 soldats du Bas-Rhin, morts pour la France, les délégations militaires de la garnison, officiers et sous-officiers,
les élèves du lycée Marie Curie et leurs professeurs, ainsi que les associations d'anciens combattants et patriotiques, de bien vouloir participer à cet hommage.